On va commencer une nouvelle mission, nouvelle quête avec notre trio composé de cendres, de plumes et de Toxie. Toxie est presque arrivé à sa retraite, hein. Il me semble qu'il lui reste 2 points de bénéfice à obtenir et puis c'est bon. Cendre, bah lui doit encore réaliser, il me semble, 11 missions, je crois. Il me semble que c'est 11 scénarios différents. Et Plume, Plume, il faut encore qu'elle ait deux épuisements. Mais maintenant, oui, ça commence à devenir difficile pour elle, enfin chaud pour elle, on va dire, car plus que deux épuisements. Par contre, il me semble que quand elle est épuisée, elle débloque un personnage, donc c'est. Ça va être intéressant quand même. Voilà, et bon, il serait peut-être temps qu'elle parte quand même à la retraite parce que ça fait, je sais plus, 39 missions. En tout, je crois que ça fait même 44 scénarios réalisés. Donc, il y en a quelques-uns qui ont été perdus et donc rejoués parce qu'il me semble qu'en tout, j'ai que 39 quêtes terminées. Alors là, on va commencer. Ben, on va commencer avec. Enfin, pas commencer. On va poursuivre avec le troisième, la troisième voie, que Tourmente nous a conseillé de suivre. Donc, ça va être celle sous les océans, où a priori il y a des petits fouineurs, des. Ah, je sais plus comment elles s'appellent ces plantes-là. Et puis des mucus, il me semble. Me semble bien, hein. Comment elles s'appellent ces plantes-là? Ça finit par heure, je suis persuadé, mais à vous avoir oublié leur nom. Les persécuteurs, non, c'est pas ça, c'est les autres là. Je sais pas comment ça s'appelle. On verra bien. Quand on va récupérer le jeu. Voilà, donc on a toujours nos persos, nos trois personnages, on peut pas vraiment augmenter quoi que ce soit. Toi, tu as acheté ton objet, maintenant les cartes, la seule carte que tu peux améliorer, c'est pour ajouter, je crois, quelque chose sur une carte que tu as déjà. Mais c'est pas très très intéressant. Voilà, bon, ben, on va repartir à l'aventure. Avec notre trio, voilà, 39 quêtes terminées. Petite requête de ville. Ah oui, j'avais dit, c'était la tranchée de l'ombre. Voilà, ça s'appelle comment? Ah ben non, c'est des infestateurs. Non, c'est terreur des profondeurs. Ouais, heure, j'avais raison, le heure. Le heure, j'avais raison, mais des infestateurs, riposte, ok. Donc on n'y va pas, bien sûr. Nous, on fait notre quête de ville pour l'instant. Alors que la lumière du jour faiblit, vous vous retrouvez à errer en regardant les marchandises dans les rues commerçantes, au milieu de la foule. Eh, par ici! Ah ouais, le vermine crasseux là qui nous donne rien du tout. On ne sait jamais. Non, refusez. Allez, on refuse. Hé, tu vas pas nous avoir, petit coco. On s'est déjà fait avoir au moins 2 fois. Allez, on y va. Alors, que nous dit Tourmente? Vous étudiez le premier endroit que Tourmente a noté sur votre carte, au milieu de l'océan, loin derrière les symboles de vagues qui délimitent les zones côtières, évidemment. Petite rencontre. Ah, quoique, comme on passe sur la mer, a priori, on n'a pas de rencontre, hein. C'est vrai qu'il est difficile de faire une rencontre en mer, sauf si c'est une attaque de bateau. Votre regard parcourt l'étendue bleue sombre de la mer de brume, tout autour de vous. Selon la carte, vous êtes au bon endroit. Il ne vous reste plus qu'à vous enfoncer l'orbe de respiration aquatique dans la gorge et à plonger dans les abysses. Vos petites pierres lumineuses éclairent votre plongée. Le voyage est aussi monotone que la respiration au travers de l'orbe est désagréable. Vous n'avez cependant d'autre choix que de continuer votre descente. Vous atteignez finalement le fond au niveau d'une crevasse. Depuis
Le fond boueux, des formes ondulantes, monte droit vers vous. L'idée d'un combat sous l'eau ne vous enchante pas, mais il va falloir en passer par là. Alors, à la fin du scénario, votre nombre de points de vie doit être au max. Tuer un monstre avec 4 dégâts de plus. Alors, si j'étudie tes cartes. Et on va dire tes capacités. Crois bien que tuer avec 4 ou plus, ça va être un peu difficile. Quoique t'as des perforations, ça c'est pas mal quand même. Bon, on va essayer d'avoir pas mal de points de vie. Tous ces points de vie, allez. Tuer au maximum un monstre indemne en une action, bah c'est pareil. Que des recoupes courts. Que des repos courts. Non, ça va pas être possible. Ouais, on va essayer ça. Toi, c'est peut-être possible. Puis il y a un coffre. Il y a un coffre. Ouais, bon, à la fin du scénario, votre nombre de points de vie est égal ou supérieur à 2 PV. Ah oui. C'est vrai qu'on n'a pas pillé de coffre dans le scénario de la forêt lugubre. Pas trop ce qu'on y gagnait. Enfin, on commence. Que se passe-t-il? Des persécuteurs. Des terreurs des profondeurs. Alors, tous les mercenaires doivent s'enfuir par la sortie. Tous les mercenaires commencent avec trois malédictions. Donc toi, tu dois pas en avoir. Ouais. Toi, tu dois pas en avoir. Ouais. Par contre, Plume, elle les a. Ok. Oh, il y a du monde. Est-ce que toi, tu peux les attaquer tous les trois avec ta carte à 5? Ce serait vraiment super. Ah ouais, ou alors, t'en tues deux. Là-bas, il y a deux. Ah oui, il y en a deux. J'avais pas vu. Ouais, toi, l'intérêt de cette carte, quand même, c'est que tu pourrais tracter, quand même. Mais si tu tractes, est-ce qu'on peut, ouais, est-ce qu'on peut les tracter et les attaquer? Ouais, il faut qu'ils soient portés 5. Peut-être au tour d'après. Quoique non, c'est pas possible. Ouais. Non, on va essayer de les avoir comme ça. Tous les 5. Donc toi, tu joues à 20. Toi, serait bien que tu les empoisonnes dès le départ. Voilà, empoisonnement. Donc tu joues tôt pour avancer. Et c'est porté combien? Porté 2 seulement. Donc toi, il faudrait peut-être que tu montes. Là, tu peux tous les avoir quand même. Si tu montes de 2, 1, 2, ouais, tu peux les avoir. Reste un peu caché. Voilà. Tu te déplaces de 1, 2. Et t'as porté 3, t'as porté 2. Tu dois pouvoir les avoir. Bon, est-ce que tu les as? Ouais, je pense. Bon, on va quand même avancer, on ne sait jamais. Quoique là, non, j'aimerais pas trop. Non, là. Et toi? Alors toi, qu'est-ce que tu pourrais faire? Jouer aussitôt, ça serait bien. Ou alors, je colle bénédiction à tout le monde. Bénédiction à tout le monde et pas une attaque à 4 et après je pourrais me déplacer. Ou je me déplace et je colle bénédiction à tout le monde. Ouais, je me déplace à 4, je génère pour tout à l'heure. Ok, allez, on y va. Fouineur, fouineur. Ah, eux, ils ont des longues portées là.
en enfilade. Voyons voir. Toi, tu vas donner par là. Toi, soit par là. Oui, donc les deux là. Mes deux petits gars là, vous faites rien. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, celui-là pourrait. Alors, on y va. Et eux, j'ai pas vu. Ils déplacent de 3, ils attaquent deux cibles. Ouais, bah si on arrive à se mettre là. Et toi, cette attaque à portée 2. Waouh! Portée 2, il faut que tu te mettes là. Ouais. Ouais. Et donc, toi, tu pourrais te mettre là. Voilà. Voilà. C'est bon. Toi. Ah, mince. Toi qui joues le premier. Alors, on bénit qui? Bien envie de te bénir plutôt toi. T'as des plus grosses attaques. Bah, j'ai pas vu. Et après tu te déplaces et tu vas où? Si tu vas là. Là, sinon ils vont pas tous attaquer. Il n'y en a que deux qui peuvent attaquer. Ah non, parce que tu seras là. Ouais. Lequel des trois joue premier? 3, 2, 5. Donc celui-là jouera enfin. Donc si toi tu vas là. Tu risques de te faire attaquer par l'élite. C'est ça? Il se déplace de 3. Donc ça ferait 1, 2, 3. Il pourrait attaquer quand même. Et l'élite, il attaque malheureusement. Il attaque super loin. Il attaque en ligne droite jusque là-bas. Ouais, je suis sûr. Donc si je vais là ou là. Non. Parce que les deux vont m'attaquer. Tac, tac. Ouais. Peux pas aller là. Si je vais là, c'est elle qui se fait attaquer par tout le monde. Ah, sauf si elle peut pas s'invisibiliser, elle. Elle a pas sa truc d'invisibilité. Je me souviens plus. Qu'est-ce qu'elle a? Non. Ah, par contre, elle est immunisée aux blessures et aux poisons. Et eux, ils ont perforation, ils attaquent deux fois. Ah oui, mais ils vont m'attaquer qu'une fois en fait. Ouais, est-ce que ça vaut le coup d'aller là? Puisque toi. Et t'as des bottes, toi? T'as les bottes ou pas? T'as les bottes, et ton action, c'est tu te déplaces à 3, je crois. À 4. À 4. Si tu vas là. Ouais, les trois vont se déplacer. Les trois vont t'attaquer. Par contre, là, t'es à portée 3. Et là, il y en a peut-être 1, 2, 3. Ouais, mais les trois vont t'attaquer dans tous les cas.
et deux cibles. Ouais. 1, 2, 3. Et toi, c'est toi qui joues le premier 2. 1, 2, 3. Bon, bah, c'est peut-être pas idiot de se mettre là. Ok. Passé. Tu génères. Voilà. Ok, à toi. Toi, par contre, t'es obligé d'aller là. Voilà. Avec un peu de chance. Voilà, il y en a qu'un qui va les attaquer tous les deux. Alors, R. R, voilà. Avec avantage, peut peut-être faire quelque chose. Peut pas faire grand-chose. Pas bien grave. Oh mince, ouais. Je croyais que tu avais un bouclier. Toi, t'as pas de bouclier. Ok, ça c'est bon. Et toi? Ouais, ok. Bon, bah c'est bon. Il se déplace pas. Terreur des profondeurs. Maintenant, ils attaquent à 3 là. Là, il faudrait des attaques à 3. Toi, t'as une attaque à 3, je crois. Non, 2. 2 cibles. Portée de 4. Une cible. On stun. Bon, on va partir 1. 1 en bas. Ah oui, bah là, toi, tu peux tous les tuer. Action du bas. Et il me faudrait une attaque à 3. Celle-ci, elle attaque à 3. 1, 2. 1, 2, 3, tu pourras attaquer lui. Ok. Et après, 2 attaques à 3, portée 2, tu pourras attaquer les deux autres. Ok. Toi, si on considère que les 3 sont morts, ah, tu jouerais à 22. Ouais, toi, tu peux pas. Alors, on considère qu'ils sont morts. Donc, tu joues à 36. Tu joues même après. Ah, si t'as saut là. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais. Plus les bots. 6, tu peux arriver là. Ils ont quand même riposte combien? Ouais. On va dire. Et on va attaquer. J'ai pas mon 5. Voilà. À 6. On peut lui faire mal. Et toi, si on considère qu'on a tué tout le monde, quoique ils vont pas se déplacer, donc est-ce que ça vaut pas le coup plutôt de les déplacer? Quoique non, à mon avis, il faut les tuer, hein. On va les tuer. Va les tuer. Portée 4. Ouais, on va essayer de passer. 1, 2, 1, 2, 3. Allez, on essaie de jouer tôt. Allez, avant les crabes, avant les crabes. Donc, Cendre, toi, tu dois... Voilà. Plus toi t'as pas de et Cendre. T'as peut-être même eu. Voilà. Cendre. Nickel. Super boulot. Eux, ils font quoi? Tous les cibles adjacents et attaquer 4, porter 4. Ouais, on va peut-être. Ouais. Alors toi, tu te dé... Est-ce qu'on les attire en fait? 1, 2.
Ils attaquent à Kata, on va peut-être tenir. Parce qu'ils blessent. Bon, après, j'ai quand même du soin. Non, allez. Je pourrais soit les attirer. C'est-à-dire, un, je pourrais le mettre là, et l'autre, je pourrais le mettre là. Et puis après, attaquer 1, 2, 3. Ouais, mais bon, là, ils vont m'attaquer. D'ailleurs, ça serait bien de libérer quand même celui du fond. Allez, on essaie plutôt ça. Ou alors j'avance. J'ai mine de rien. Je pense qu'il faut quand même avancer. Peut les mettre les deux là. Quoique les deux en enfilade, c'est pas mal. Parce que lui, en fait, il fait rien. Non, on va juste se déplacer. Et on va attaquer à 3. Est-ce qu'on lui colle 2 dégâts à l'autre? Toi, t'auras pas avantage, mais t'as quand même avantage dans tes... Ouais. Tu prends ça. Et t'attaques celui-là. Peut-être que... Quoique toi, tu pourrais le tuer. Voilà. On va pas le stunner. Ah, il se stun lui-même. Donc ça, c'est super. Plus les bottes. On va se mettre là. Et là, on prend avantage. Ok. Donc, pas de riposte. Toi, tu peux m'attaquer. Par contre, pourquoi tu m'as pas blessé? Ah non, non, c'était uniquement... Alors là, il faut se déplacer, là, par contre. Là... Toi, t'es loin. 4. Tu pourrais stunner. 1, 2, 3, 4. Ouais, si tu joues assez tôt, tu pourrais stunner. Toi, t'as rien, mais tu peux venir et attaquer. Ou attaquer de loin. Ah ouais, tu pourrais soigner. Ça dépend de toi ce que tu fais. Faire ça, ouais, parce que eux, ils jouent plutôt tard, donc je me dis que toi, voilà, toi, à mon avis, je le sens. 23, ouais, je préférerais plutôt soigner. Bah, toi, t'as combien? T'as 12, ouais, ah, non, t'as 8 sur 14, donc c'est bon. Et est-ce que t'as une... Ah bah tu pourrais faire ça au cas où. Si on n'arrive pas à s'en défaire. Ok. Il joue après nous, c'est bon. C'est très très bon. Il fait quoi? Ah ouais, il attaque. Bon bah on va quand même l'attaquer. C'est bien. Oh, mince, c'est mon béni. Bon, sur la pièce. Bien, 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 bien. Il y a eu du bon travail là.
Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Toi. Toi, tu pourras rien faire. Je me demande si tu fais pas un repos long, toi. Ou alors on attend un peu. Si. Toi. Est-ce que tout le monde fait un repos long? Et toi, t'approches. Toi, tu fais pas ton repos long. Toi, malheureusement, t'as pas de soins. Mais qu'est-ce que tu vas pas pouvoir utiliser? Ça, t'en as peut-être pas besoin. Comme la personne. Ah, ça et ça. Ok. C'est bon. Toi, qu'est-ce que tu perds? Ça, c'est pas mal. Ouais, tout est pas mal. Celle-là, on joue vite. C'est peut-être celle-ci, me dit. La griller, ça vaut pas le coup. Et toi, qu'est-ce que tu grilles? Ah ouais, le souci, ouais, c'est un truc que j'ai pas pensé. C'est que c'est que des bonnes cartes en fait. En fait, c'est que des bonnes cartes. Peut-être celle-ci. Eh ben si. Allez, bah celle-ci. Alors, là, on va rentrer. Toi, ça serait bien de rentrer et d'immobiliser quelqu'un. Donc toi, tu vas rentrer à 4 ou plus. Ça, c'est pas trop mal pour après. À 80. 80, donc il faut qu'on joue après 80, tout le monde. Ou alors je joue à 20. Je pense que... Ah ben... Toi... Pourras te déplacer... Perforation, c'est pas mal. Attaque à 3... Malédiction... Attaque à 4... Est-ce qu'on malédiction ou est-ce qu'on perfore? On malédiction, c'est pas mal, malédiction. Et toi... Donc toi, si elle joue, il faudrait que tu joues après... Toi, t'as souvent ça. Pourrait peut-être te coller avantage. Ou tu stun. Ouais, on va peut-être stunner pour voir. Allez. Wow. Alors, ah, il y a du déplacement là pour le prochain tour. Ça, c'est pas mal. Il y a un coffre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se déplacent de 3. Ah, il fait combien d'attaques? 2. Et lui? Ouais, donc lui. Donc l'autre là-bas, il va falloir le stunner. Déjà, ouais, déjà, je peux immobiliser. Et toi? Attaque à 5. Donc ça, c'est bon. On va pas s'y coller. Donc. Après, c'est du porté 3. On va voir. Lui, il se déplace de 3. Hein. 1, 2, 3. C'est-à-dire le problème, c'est que là, je me fais attaquer par lui. Alors que si je vais là,
Toi, t'as déplacement combien, toi? Déplacement 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu pourrais venir là. Ah ouais, mais si tu viens là... Ouais, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, celui-là, il m'en kikine, là. Après, on peut le... Il attaque à combien? Ah oui, mais il va jouer avant. Ouais, ça, c'est bon. Ok. Donc, toi, tu vas là. Ensuite, lequel tu immobilises? Celui-là. Celui-là. C'est le problème, c'est que moi, je vais aller ici, et donc il va quand même m'attaquer. Même si je le stun. Ah, il va quand même m'attaquer. Donc, vaut mieux que... Voilà. Ce soit toi que je bloque. Bien. Ouais, t'as quand même des super jetons maintenant, hein. Est-ce que tu récupères la carte à 20? Ça vaut peut-être le coup. Comme il y a du piège... Toi, tu pourrais... Ah, toi, je pourrais te tuer. Alors, on y va. Suivant. Toi, tu fais rien. Ouais, attends, je regarde déjà le tour prochain. Je me dis là, il y a quand même. Waouh, il y a trois pièges. Ah ouais, si je me mets là, lui je le recule. Lui je le recule de deux. Ouais, ça fait du. 1, 2, 3, 4. Lui par contre, je pourrais pas. Mais bon, ils auront peut-être avancé. Ouais, toi, il faut que je te stun. Que c'est une attaque à 4 hein, et lui attaque à 3. Ouais, bon, on va là. On génère ça pour tout à l'heure. Toi tu attaques, tu peux peut-être t'empoisonner. Non, tu te gardes l'avantage pour tout à l'heure. Par contre, tu m'attaques de... Pas grave. Oh bah. Ouais. On a tout ce qu'il faut là. Ensuite, toi, tu te déplaces et tu vas attaquer lequel? C'est des pièges à combien? Des pièges à 5. Donc si tu prends les deux, t'es mort. Ça immobilise ou pas? Pourtant, il y a marqué immobilisation. Est-ce que je vais pouvoir l'emmener jusque là-bas? Mais je vais là. Et je te malédictionne lequel? Toi? Ok. Repos court. Allez, toi tu fais quand même un repos court. J'espère que tu perds pas
Ouais, tu perds bon, un petit truc, mais bon, c'est pas trop gênant. Avec ça, en fait, c'est toi qu'il faut qu'il joue ça et ça. Faudrait pouvoir jouer à 20. Toi, si tu joues très tôt, enfin, ça vaut peut-être même pas le coup de jouer très très tôt. Attaque à 3, portée 3. Est-ce que lui, il est empoisonné? Est-ce que je lui enlève son dégât pour lui filer 3 dégâts? Peut-être pas mal ça. Ouais, peut-être pas mal. On va lui filer 3 dégâts. Peut-être pas mal. On va utiliser cette carte. Et toi, tu peux jouer tôt. Et méga attaquer à 6 avec avantage. On va voir. Ok. Ah, lui, il joue. Bouclier riposte. Bon, ça va. C'est très très bon, ça d'ailleurs. Qu'il attaque pas. Encore un petit. Toi, tu fais quoi? Déplace de 2, il attaque de 4. Donc toi, il faudrait que tu te déplaces. Est-ce que tu te mets là? Pour qu'il t'attaque toi, quoi. Et là, il attaque 2 cibles. Ouais, il va attaquer 4. Ah oui, il va attaquer à 4. Donc si je bouge pas, bah, je me mets un bouclier. Ah bah non, il va nous attaquer 2 cibles. Hein. Et il se déplace de 2. Donc, il faut vraiment que je me mette ici pour le bloquer. Pour pas qu'il vienne. C'est bon. Toi. Alors, toi, c'est toi qui vas faire du super boulot. Ça, on est sûr de les tuer, les deux. Super. Et voire même, tu peux attaquer lui. Prendre un petit avantage. Lourd en x2. Dommage qu'on ait pas riposte. Ah bah si, toi tu l'as. Ah ouais, mais alors attends. Le problème. Ouais, après il va falloir récupérer le coffre là-bas. Malheureusement, tu fais rien. Alors, qui c'est qui va aller là-bas? Qui c'est qui peut aller là-bas? Oui, que ça soit ceux qui ont vol. 1, 2, 3, 4, 5. Il faudra un déplacement à 5. Ouais. Pliage 1, c'est pas mal. Ah ouais, je peux même 4. Hein. Ouais, je vais faire 4 et juste un dépassement. Toi. Toi, t'avais un piège 2, il me semble. Ah oui, mais qui c'est qui doit prendre un coffre? Je crois que c'est toi. Bon, même si ça te sert à rien. Il me semblait que t'avais piège 2. Ah, elle est là. Ok, donc là, 1, 2, bah on va venir tranquillou. On va prendre des sous. Est-ce qu'on a du bénéfice? Non,
rien. Non, bah, pas de bénéfice. 1, 2. Ouais. Donc après, on fait rien. Pas mal de déplacements, c'est pas mal. Si tu n'en as pas besoin dans l'immédiat, on s'approche tout petitement. Toi, est-ce que tu peux soigner tout le monde? T'as pas ta bénédiction à tout le monde? Voilà. Renforce tous les alliés. Ouais, je crois que c'est pas bon. Bon, on va faire soin 1 et puis on va se déplacer de 1, 2, allez. Ah, j'ai soin 3 quand même. Toi, t'as combien? 17 sur 22. Ah, tu pourrais te soigner. Quoi que ça fait faire 18. Ouais, au tour suivant. C'est pas grave. Portée 4, hein. Faut être portée 4, hein. Donc, si toi tu joues à 80, elle sera pas portée 4. De toute façon, ça sent le repos long. Voilà. Passons. On passe quand même tes sous. Toi. Je vais juste te mettre là. Ton pillage 1. Ah. Pille un coffre lors de ce scénario. On n'a rien eu. Bon. Toi, soigne tout le monde. Et tu déplaces. Voilà. Ok. Donc maintenant, tour suivant. Tour suivant, ben on va se rapprocher. Toi, est-ce que tu as un gros déplacement? Ben non, repos court. Ah. C'est bon. T'as aussi un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu pourrais aller là. Puis rien faire de plus. Enfin, à part se préparer pour après. Ouais, à part se préparer pour après. Portée 4 là. Ouais. Donc plutôt. Portée 3. Ouais, portée 3 ou portée 4. Non. Mince. Plutôt. Allez, on va prendre 80. Toi. Toi, tu fais rien. Tu te déplaces donc. Là, tu peux empoisonner tout le monde. Donc, plutôt un déplacement. T'as pas mal de déplacements à 4. Celle-ci, allez. Plus. J'ai pas un déplacement à 3. Ce serait bien un déplacement à 3. Voilà. Ah ouais, mais c'est mon empoisonnement. Est-ce que je rentre, j'empoisonne tout le monde? Après. Parce que là, je sais que tu portais 2, portais 3, mais je la grille. Portais 4. Ah, portais 4, c'est pas mal ça. On va prendre celle-ci. Ok. Et toi, ouais, après tu veux faire un repos long quand même. Toi, tu peux soigner. Et tu te déplaces. Allez. Après, tu vas faire un repos. 1, 2, ouais, un déplacement à 2, c'est bon. Allez. Toi tu te soignes.
Et tu te déplaces. Voilà. Toi, tu te déplaces. Pas de soucis. Et tu fais rien. Voilà. Et toi, tu te déplaces à 5 pour aller là. Et malheureusement, bah, tu ne fais rien. Ok. Est-ce qu'on rentre pas? Toi, tu peux avoir que... Ah ouais, toi quand même, t'as ça et ça. Peut-être pas mal. 55. Toi, j'avais dit, toi, tu pouvais rentrer. T'as qu'à 2 portées 4. Tu peux faire ça. Voilà. 60 à 47. Et toi? Portée 4. Ouais, tu fais ça. Et portée 4. Ouais, on va essayer. Allez. Un, deux. Ah. Qu'est-ce qu'on a déjà la sortie? Elle est où? Là, il n'y a pas de piège. Hein. Ah, mais il n'y a pas de sortie. Ah, on est au bout. Ah, sont là les dalles de sortie. Ok. Donc, qu'est-ce que font? Lui, il attaque à 2 portée 3, donc il fait rien. Eux, ils attaquent à 2 portée 6 et il invoque une terreur. Une terreur des profondeurs. Il va y en avoir. Et toi, tu attaques à 3. 1, 2, 3. Non, 1, 2, 3. Donc si tu vas là, c'est bon. Si tu vas là. Ou même tu peux rester là. Parce qu'ils attaquent à 6, ils attaquent à 6. Ils attaquent à 6, pas cool, hein. Celui-là, je pourrais le tuer éventuellement. Quoique celui-là, avec ma carte, si je l'empoisonne. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est quoi tes cartes, toi? Et empoisonne tout le monde. Est-ce que j'attaque à 2? Pour tes 4, 1, 2, 3, 4. Ouais, je pense que là, ça peut être bon. Ah, on va rester là, en fait. Quoique, me dit que même si tu vas là, c'est pas plus mal. Allez, tu vas là. Ah, quoique, non, ils doivent pas me voir. Ok. Donc toi, par contre, je vais te stunner. Donc toi, t'attaques à 2 et toi, t'attaques à 1. Ouais. Quoique toi, t'as 2 cibles, hein. Me dis que quand même... Si tu... Ah ouais, mais si je la stun... Non, je vais pas la stunner. Attends, annuler. On recommence, on va pas la stunner. Hein. Si on va attaquer celle-ci. Ouais, je pense que. Oh merde! Ah, ça c'est pas cool. Je peux peut-être invoquer mon truc. 1, 2, 3. Ouais. Et toi, tu te déplaces à... Ah ouais, tu pourrais te mettre ici. Oui, parce que toi, tu vas jouer avant. Donc toi, je me dis, si tu vas là, c'est pas mal. Peut-être encaisser. Ok.
pas bien joué là. L'infestateur n'a rien fait. Hein. Voilà. Oh, pas de chance. Ah, c'est à nous. Toi, tu pourrais peut-être aller là et méga taper. C'est du riposte combien? Et tu pourrais se tenir. Est-ce qu'on tue lui? Non, on va essayer de tuer lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est porté. 6. Il a quand même attaqué lui. J'aurais dû peut-être aller là. Donc là, lui, je peux le tuer hein, si je sors un plus 1. Allez, on tente. Oui. Oh, un coup en plus. Je crois que j'ai atteint mon objectif. Ah oui, c'est ça, il m'attaque là. Ouf, heureusement. Ah ouais, mais il invoque. Ah, mais il invoque à côté, d'accord. Ah, par contre, il invoque pas. Lui, il invoque pas parce que c'était à côté de moi. Alors je fais un repos court là. Ouais, je fais peut-être repos court. Ah, c'est empoisonnement. Trop pioche, allez. Il n'y en a que deux. Alors, est-ce que je fais ça? Et je lui colle 3 dégâts à lui. Ou empoisonne les cibles qui sont déjà empoisonnées. Et là, je peux attaquer. Ouais, 3 cibles. Ouais, c'est peut-être pas mal. Dans ce sens-là. Toi, repos court. Oh non, on va piocher. Est-ce que tu grilles celle-ci? Ah oui, là tu pourrais tuer les deux. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Est-ce que... 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4. Je pourrais les faire reculer. Et après toutes les attaquer comme ça. Ah bah non, c'est ma même carte. Bon, on va pas. Faudrait un gros déplacement. Voilà, déplacement à 5. Si je me mets là, je peux attaquer à 20. Et toi, au cours, tu perds. Toi, il faudrait que tu ailles. Est-ce que tu peux taper les deux? T'as plus ta carte en bas, hein. Je crois que tu l'as jetée. Ouais. Ah, un allié peut attaquer à 6. Peut-être pas mal. Et moi, j'attaque
5. Allez, on essaie. Ah, l'autre nous colle confusion et se soigne. Je sais pas. Là, je peux lui enlever. Ou j'empoisonne l'autre. Je vais lui coller 3 dégâts. Est-ce que ça vaut le coup? Je vais crier plutôt ma carte là. Ah ben, ouais. Ouais. Ah oui, toi t'as déjà des avantages. Hein. Donc. Ouais, mais plutôt t'attaquer toi. Ok, t'as grillé, tu peux te soigner, vas-y soigne-toi. Pas regarder ce qu'il faisait, des armes, portée 3, ouais donc c'est bon. Bon, tu prends qu'un, c'est pas grave. Toi, tu peux te déplacer. C'est portée 3, hein. Toi c'est une riposte, ok. Portée 3, donc c'est bon. Donc là tu pourrais attaquer les 3. 1, 2, 3. Voilà, super. Super. Tu génères... Ouais, non, tu vas rien générer. Parce que toi... Un, deux, trois. Ouais, toi, il va t'attaquer quand même. Mais bon, il attaque à 3. Est-ce qu'on va là? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, là, il me voit peut-être pas. Un avantage quand même. Voilà. Pourquoi j'ai pas fait exécuteur là? Pourquoi il me valide pas mon exécuteur? Tuer un monstre indemne en une seule action d'attaque lors de ce scénario. Il me semble que quand j'ai tué. Il me semble. Ah bah oui, bah là, on est fini, là c'est fini. C'est fini. Donc qui c'est qui a besoin de sous? Ah ouais, bah toi, tu vas pouvoir réessayer. T'as rien généré, mais tu peux faire une attaque à 5. 1, 2, tu peux taper celui-là peut-être à 5 pour atteindre ton objectif. À quoi que t'aies même une attaque à 5 ici. Hein. Ah oui, mais si elle a joué avant, est-ce que tu peux lui générer? Oui, parce que toi, tu peux les tuer éventuellement. Tu peux faire ça. Sauf que toi... Non, repos court... quoique... Ouais, repos court... Ah ouais, mais tu perds la bonne carte. Donc là, c'est pas bon. Bon, bah tu vas rien faire. Toi, tu vas essayer. Toi... Tu peux empoisonner, mais c'est une attaque à 1. Enfin, c'est une attaque à 1. Est-ce qu'on peut prendre des sous? Ouais, est-ce que toi tu peux aller là et faire pillage?
t'as plus ton pillage. Hein. Bon, bah on va aller prendre des sous. Ouais, parce que toi... Ouais, bon, après, le souci, c'est que toi, tu vas arriver à 14. Mais bon, ça pourrait être la fin. Allez, 1, 2. Et puis, on fait rien, quoi. Ouais, là, t'as un déplacement à 6, hein, pour avoir de XP. Ouais, on peut peut-être se faire de l'XP là-bas, ici. Ok. Bon, on va voir. Donc à toi. Toi, on va voir si tu y arrives. Tu te colles entre les deux. Ils font quoi? Ah, ils attaquent. Ah ouais. Alors peut-être pas entre les deux. Peut-être juste là. C'est pas du porté, hein. L'autre, c'est du porté. Voilà, passé. Confirme. Allez. Alors là, ça doit être bon. Tuer un monstre indemne en une seule action d'attaque. Là, à mon avis, je l'ai forcément validé. On va regarder. Écrit. Toute façon, là on a dit qu'on prenait des sous. Voilà, tu prends 2 XP. Ah mince, il vient vers moi. Il me demande pas en fait. Bah, est-ce que lui on va le tuer? Ce serait bien de prendre les sous. Attaque à portée 5. Hein. Combien de cibles? Ah, il immobilise. Il immobilise. Non, annulé. Allez, on va prendre les sous. Allez, on essaie de l'attaquer. Voilà. Une 12. Ah bah oui, il a appelé parce qu'il y avait un ennemi, je suis bête. C'est pour ça qu'il m'a pas demandé. Repos court. Donc toi, de toute façon, tu vas jouer ça. Ça et ça. Ça sera bien de jouer tôt pour libérer la petite place pour toi derrière. Que toi tu puisses prendre des sous et des XP. Il n'y a personne à attaquer. 4, 4, 6. Ouais, il y a plein. Et toi? Toi t'as pas de. Ah oui, il n'y en a pas un. Tu es un monstre indemne. Toi, c'est le nombre de points de vie maximum, hein, c'est pas ça? Ah ouais, donc toi, tu vas soigner. Voilà. Tu as même joué avant. Tu le soignes et puis après, tu avances. Tu peux même soigner 2, hein. Ah, ça suffit, t'as que 7 points d'XP. Ouais, donc 1, c'est bon. Et après, tu marches. Tu vas prendre des sous. Tu peux peut-être même prendre de l'XP.
Celle-ci, elle sert à rien. Ok. Voilà, toi, tu t'es déplacé vers moi. Ah oui. Tu récupères toutes tes cartes. Après, tu peux peut-être prendre ça. Toi, chacun prendra un peu de sous. Toi, tu soignes tout le monde à portée 4. Tu te déplaces de petit 1, c'est bon. Et toi, tu te déplaces de rien. Ça, ça fait quelque chose ou ça fait rien? Ouais, on peut pas. Ah, c'est quoi ce plus 1 là? Une fois pendant chacune de vos actions. Ah, ouais, oui, d'accord. Ah, ouais, d'accord. Non, annulé. Non, en fait, là ça va pas marcher. Vous pouvez appliquer empoisonnement à un allié à portée 2 ou lui infliger 3 dégâts s'il a déjà empoisonnement pour ajouter plus 1 à votre attaque. Ok, donc toi, est-ce que tu peux faire 2 XP? Voilà, 1 XP. Est-ce que tu peux refaire un XP avec l'autre chose? Une action d'un haut? Non. Bon, bah alors. Ça ne sert plus à rien. Tu peux juste faire ça, ça, ça. Ouais, bah tu feras ton XP. Ok, ça, ça. Toi, est-ce que tu peux faire de l'XP? Ça, ouais, en bas. On fait repos court, allez. Est-ce que t'as de l'XP en haut? Attaque à 5. J'aurais pu regarder. J'aurais vu que... Ah, bénédiction aussi. Tout. Voilà. Et en bas, j'avais dit ça. C'est bon. Là, tu prendras 2 XP. Et toi, bah, toi, de toute façon. Ça sert à rien. Toi, tu vas ne faire qu'avancer. Tu n'as besoin de rien. Alors, toi. Ouais, c'est la capacité. Un XP. Un XP, c'est bon. À toi. Ça sert à rien. Tu peux venir. Voilà. Ok. Bon, bah... Mince, j'ai pas fait ça. Voilà, victoire, bah elle était pas trop difficile quand même. Hein. Vous continuez à avancer, laissant le fossé derrière vous. En vous retournant, vous apercevez les silhouettes d'autres fouineurs qui se dégagent des rochers. Ils ne semblent pas vouloir vous poursuivre. Peut-être ont-ils trop peur de l'endroit où vous allez. Vous vous enfoncez dans la fissure. Après quelques mètres, le chemin remonte brutalement et débouche sur une salle émergée où vous pouvez enfin respirer librement. Se passer de l'orbe est un tel plaisir que vous vous accordez quelques minutes de repos. Vous distinguez devant vous une immense caverne qui abrique une imposante structure de pierre en pierre. Le décor étrange de ces lieux reclus provoque chez vous une nervosité irrationnelle.
Donc là, a priori, on a tous, ouais, tous réussi, hein. 5 XP, 8 XP. Bon, ça va être une quête liée, donc si on monte de niveau... You activate my trap card. Je sais pas ce que c'est. 10 XP. Donc là, à mon avis, comment elle s'appelle, Toxie? Elle a dû passer de niveau. L'antre de l'œil aveugle. Complissez 15 scénarios. Ok. Voilà. 14. Mais je pense qu'à la fin. Ah non. Ah non. Elle est arrivée que là. Et on est revenu à avoir lui. Ah, elle est pas liée en fait. Par contre, on a tous pris des points de bénéfice. Ben, on va prendre ça. Toi, qu'est-ce que tu prends? Un petit soin, c'est peut-être pas mal. Et toi? Toi, bientôt t'as tout. Ah non, il te manque de générer feuilles. Ouais, ça peut être pas mal. Voilà. On est revenu à Havre-Nuit. Mais on est toujours niveau 3. Ok, bon, bah on va arrêter. On a quand même 24 pièces. 4 pièces, tu dois pas pouvoir améliorer de carte. Hein. Regarde vite fait. T'as 0 point d'enchantement. Ouais. La carte, non, tu peux pas améliorer de carte. Toi, je crois que la seule carte que tu peux améliorer, c'est celle-ci. Mais ça te rajoute. Un déplacement ou un saut, un allié peut effectuer un déplacement à 4. Pas mal ça quand même. Ou à 5, c'est pas mal ça aussi. Portée 3. Ouais, ça peut être pas mal. Ou saut, mais saut c'est pas utile parce que eux, ils ont déjà. Vol, je crois qu'il y a qu'elle qui a pas vol. Ou générer quelque chose. Ah, je peux générer de la lumière. Ouais, quand toi tu passes, il génère de la lumière. Non, peut-être déplacement. Allez. Comme ça, on améliore. Voilà. Ok, et toi par contre, avec 9, t'as rien. Tu peux même pas t'acheter un objet, quoi. Ah, si, peut-être. Un 9. J'ai le marchand, un 9. Casque de fer. Si l'autre il force un plus 2, c'est un plus 0. Ah, j'ai l'armure de peau. Mais ça me rajoute 2 moins 1. Ouais, après j'ai rien d'autre. Hein. Ouais, toi t'as vraiment pas grand chose. Hein. Est-ce qu'on te rajoute des moins 1? T'as déjà des sous, des trucs. Et l'armure de peau, elle faisait quoi? Ouais, fait bouclier. Non, on fait pas grand-chose. Ok. Bon, bah on va arrêter. On va s'arrêter là. Et puis on fera. Bah normalement, c'est la suivante. Hein, c'est la mine. Je sais plus. Je regarde vite fait. Bah non, dans l'eau, je suis bête. Suite dézoomée, c'est le boss ici. L'antre de l'œil aveugle. Un boss. Ah oui, il y a des mucus. Non, il n'y a pas de mucus. Je confonds alors. Dû la faire, mais. Un peu plus qu'elle a celle-ci. L'œil aveugle. Ouais, il me semble qu'il y a. Plus trop. Bon, on verra. Allez!
Ah, la prochaine, celle-ci fut assez rapide quand même.